1 700 € parce que j'ai fait de la merde, j'ai... Yo les refs, yo tout le monde, c'est Gasp, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez-moi cette musique, on est comme à la maison et pourtant... On n'est pas à la maison, regardez-moi ça, cette belle vue, on est à la montagne les gars. Du coup les gars, on se retrouve aujourd'hui pour un vlog au ski, comme vous l'avez compris. On est à Avoria pendant 1 semaine et demie, on va faire plein de conneries, on va s'éclater et tout. C'est parti, sans plus attendre, on peut commencer la vidéo, jingle. Ok les gars, aujourd'hui il fait grand soleil, regardez comment c'est beau, attendez. Les gars, Avoria, la tête d'homme, c'est une dinguerie. Je viens ici depuis que je suis tout petit, donc je connais la station par cœur et tout, vraiment c'est ma top station. C'est piéton, donc du coup genre tu peux circuler que en calèche et tout, vraiment c'est une pure dinguerie. J'ai fait exprès de me mettre dans un jeune endroit miteux comme dirait GMK, parce que frère, au milieu de la station il y a 15 000 personnes. Moi je suis un débutant en vlog, j'ose pas sortir ma caméra et faire ouais les gars et tout alors qu'il y a 2000 personnes à côté de moi, mais on va s'améliorer. S'il y a des top vlogueurs dans les commentaires, dites-moi comment faire pour enlever ce... Parce que je suis pas timide en vrai, mais je sais pas, je trouve ça bizarre un peu. En plus là, je me suis mis à l'ombre parce que frère, il fait 40 degrés. Get, le soleil, il est en plein cagnard. La réverbération de la neige, elle tape dans ma peau là, c'est trop chiant. Mais les gars, quand il fait chaud, à la neige, il y a qu'une seule solution. Oh, c'est bon, il fait plus chaud là. Frérot, tu connais, il faut se rafraîchir avec les moyens du bord, hein. Du coup les gars, là je sais pas trop quoi faire parce que je suis tout seul en fait, mes parents ils sont en train de skier et tout, donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire le world record du plus gros bonhomme de neige. Je vais essayer de faire le plus gros bonhomme de neige ever et après je vais essayer de sauter au-dessus avec mes skis ou avec mon snowboard. J'essaie de taper un gros backflip, non je rigole, je sais pas faire de backflip, mais voilà quoi. Et d'ailleurs, ce soir, j'ai un poteau qui est crêpier. Et je pense que je vais lui demander pour faire une crêpe à des clients et tout, ça peut être assez drôle. Je vais voir ça, vous allez voir ça de toute façon dans la suite du vlog. Donc voilà les gars, il y a une moto déjà. Du coup ouais, après à la fin du vlog, j'essaierai de vous mettre un petit extrait genre de mes meilleurs passages en ski et en snowboard. Bon, je pue sa mère, hein, je suis nul à chier, mais j'essaie de faire des petits sauts, des petits trucs comme ça, donc ça peut être marrant. Je vous mettrai un petit extrait en musique et tout, voilà. Bon c'est parti, je remets mes lunettes, je suis en galère à une main, et on va vous faire visiter la station. Les gars, on est en plein milieu de la station dans un truc qui s'appelle le village des enfants. Et genre en mode c'est un truc de l'ESF pour faire du ski et tout. Et regardez, en fait ils sont en collab avec Haribo. Et donc du coup moi quand j'étais petit, tu vois, comme je suis un peu le roi des rats, à chaque fois je demandais au prof pour avoir des Haribo gratuits, des bonbons. Haribo les boss, merci de m'avoir régalé pendant mon enfance. Donc voilà les gars, on va continuer le petit tour de la station, hein, vous connaissez. Attendez, je vous fais un petit plan, tu vois. Banks, c'est carré en vrai. Là les frères, on est au quartier qui s'appelle le festival. En gros c'est le centre de la station, regardez. Tu vois, il y a la patinoire là-bas, il y a le magasin, cinéma, dinguerie. Là, il y a une grosse piste d'ailleurs, de chien. Je sais pas si c'est un chien ou un mec bourré, je sais pas du tout. Mais franchement, les gars, c'est une dinguerie à Avoria. Si vous voulez aller au ski et vous savez pas où aller, moi je vous conseille vraiment cette station. J'y vais, comme je vous ai dit, depuis que je suis tout bébé. Et je sais pas, c'est. Comme c'est piéton, en fait, tu vois, c'est pas les stations où t'as des voitures et genre c'est tout marron et tout. Genre, c'est un peu le paradis sur Terre, tu vois. Genre, t'as l'impression d'être à Skypiea pour ceux qui ont la ref, l'île céleste dans One Piece. Genre tu te sens comme Aokiji. Oh putain, je lâche que des refs One Piece là. Et du coup pour vous déplacer, vous devez faire en calèche. Je sais pas si vous la voyez là-bas, mais genre tu montes sur un cheval et ils traînent. Bon, je sais qu'il y en a qui vont dire ouais ils sont maltraités et tout, mais non, ils travaillent que genre 3 heures par jour, donc en vrai ils sont hyper bien traités. Moi je vois les enclos où ils sont et tout. Bon c'est pas du tout là où je suis, c'est loin, mais franchement c'est une dinguerie. Après évidemment il y a plein d'autres quartiers et tout, mais je vais pas vous faire un tour de toute la station parce que ce serait beaucoup trop long. Il y a plein de pistes et tout, mais franchement c'est une dinguerie les gars, je suis trop content d'être là. On va essayer de trouver des petites conneries à faire et tout pour ce vlog. Ça va être carré. Mais n'empêche, c'est quand même chaud qu'il fasse chaud comme ça, frère. On est le 10 février, je crois. Gros, il fait 25 degrés, ressenti. Là, j'ai un pull, j'ai un bonnet et tout, mais je me mettrais bien en t-shirt, hein. C'est chaud. Désolé aussi si je fronce un peu les sourcils et je fais une gueule de merde, mais il y a tellement de luminosité avec la neige blanche, là, qui réverbère toute la lumière. Même avec mes lunettes de soleil, je vois rien. Et les gars, tu vois, tout à l'heure, je vous disais que c'était bizarre de vlog au milieu de tout le monde, mais là, je suis en plein milieu de la rue, je me sens à l'aise, hein. Qui peut me stopper? Qui peut... Il était les calèches. Il y en a une autre là-bas. Vraiment, c'est l'île de Père Noël. Guettez, là, il y a le petit manège. Avec là, le village des enfants, comme je vous disais. Avec les enfants qui apprennent à faire du ski et tout. La boule de neige. Mais ref, c'est là où je vais aller faire peut-être des crêpes tout à l'heure. Donc là, les pompiers, parce qu'il y a sûrement un mec qui s'est tollé en ski. Ref, c'est vraiment dingue. Hein. Même les gars, vous voyez tout à l'heure,
quand je me suis plongé la tête dans la neige là. L'endroit où j'étais, c'était à côté du parc aquatique, frère. La tête d'homme, il y a un parc aquatique avec un truc avec des bouées et tout. Genre, c'est un peu un truc tropical où genre tu te balades dans les plantes vertes et tout. Enfin, je vous mettrai peut-être des petites photos et tout. Bon, j'ai vraiment l'impression de faire une collab avec Avory, alors qu'en vrai, je suis rien du tout, tu vois. Ils s'en battent les couilles de moi, mais c'est juste, je suis trop content d'être là. J'espère qu'on va passer un bon vlog, on va bien s'amuser. On va faire des dingueries et tout, j'espère. Et voilà, hein. Là c'est fini pour la visite de la station, je vais rentrer tranquille chez moi et on se retrouve pour les prochaines aventures juste après. Bah, pour vous c'est dans 5 secondes mais pour moi je sais pas quand ça sera. Vas-y, à toutes. J'ai le seum en vrai de pas avoir pris mon maillot de bain parce que je serais bien allé dans le parc aquatique là. En plus il y a un jacuzzi en extérieur, ça aurait été trop dinguerie avec ma GoPro et tout, mais j'ai pas pris mon maillot de bain malheureusement, donc ce sera pour l'année prochaine. Wesh les gars, aujourd'hui petite séance, je tourne des TikTok en extérieur, j'ai 2h, 2h30 où je suis tout seul chez moi, j'ai pas fait de TikTok depuis 2-3 jours, donc je vais essayer de carburer un max. Regardez, j'ai fait ma casquette version hiver, est-ce que ça vous plaît? Je l'ai fait en mode bonnet. Je vous rappelle que celui qui trouvera quelle est cette carte Pokémon aura un cadeau de fou, je sais pas encore ce que c'est le cadeau, mais voilà, c'est la plus grande énigme de ma chaîne, restez, voilà. Aussi tout à l'heure, je vais faire un petit TikTok avec un bonhomme de neige, du coup je vais vous montrer un peu les dessous de la scène, je sais pas si on se dit comme ça, mais... Je vais essayer de faire plein de TikTok parce que j'en ai pas fait depuis longtemps. Je vais essayer de carburer un max. Et voilà les gars, hein, je vais... Même pendant les vacances, on vous fait du contenu sur TikTok. Hein. Soyez vifs. Merci les gars, bisous. Là les refs, ça va tourner un petit TikTok. Regardez, j'ai mon setup qui est fait. Je garde le rythme pendant les vacances. J'essaie d'en faire un par jour, mais c'est dur hein, parce que vous connaissez, je vais skier, etc. Donc je vais vous montrer un peu les envers du décor de comment je fais mes TikTok en intérieur. Sachant que là en plus c'est vraiment la dèche parce que comme je suis parti au ski, j'ai pas d'équipement, j'ai pas mes petites lunettes pour faire l'intello, j'ai rien. Donc on va faire un petit TikTok et voilà, je vais vous montrer. Déjà les gars, un truc qu'il faut savoir, c'est qu'en fait moi quand je tourne un TikTok, genre, c'est pas je tourne toutes les scènes d'un personnage et ensuite toutes les scènes de l'autre personnage. Non, je fais une scène de Yanis, une scène de Chloé, une scène de Yanis, une scène de Chloé. Donc entre chaque scène je dois me changer, c'est trop chiant, c'est trop long, je perds trop de temps. Mais en vrai je pourrais faire l'autre, mais je sais pas, je trouve ça bizarre un peu. Genre je pourrais faire une scène de... Enfin toutes les scènes d'un personnage et après toutes les scènes de l'autre, mais je sais pas, je trouve ça pas naturel. Parce qu'en fait comme c'est souvent c'est des échanges, genre j'aime bien faire d'abord la question après la réponse, d'abord la question après la réponse, enfin vous avez capté. Donc voilà, je perds du temps pour rien. Quoi déjà? Heureusement que j'ai mon livre de Molière et mon cahier de vacances pour garder le rythme. Hein. Hop, là je retourne à Ring Light, tu connais, hein, pour faire genre qu'on a un endroit différent alors qu'on est juste à côté. Bon voilà les gars, je viens de terminer mon TikTok, c'est l'intello le jour des vacances, je crois qu'il va s'appeler comme ça. Je vais le poster et moi je pronostique un petit 5 millions de vues parce que je suis une légende de TikTok. Non je rigole, c'est que le mec il se la pète trop, putain. Non en vrai, voilà c'est un TikTok normal quoi, j'avais pas trop de temps aujourd'hui donc j'ai fait un petit TikTok chill. J'espère qu'il vous plaira et voilà. Ok les gars, là on est avec le poteau Rudy, il va montrer comment faire une crêpe, enfin il m'a déjà montré mais je vais essayer d'en faire une, on va voir si je m'en sors. Je vais faire une petite crêpe Nutella que je vais déguster après, on va faire la dégustation ensemble. C'est la première fois de ma vie que je fais une crêpe, je suis vraiment éclaté donc on va voir si je vais réussir, j'espère, et voilà. Ok les gars, c'est parti. Ok, essai numéro 2, la première n'était pas fructueuse. Voilà, ma crêpe c'était pas trop sain, j'ai trop le seum, je dois repayer sa crêpière 1 700 € parce que j'ai fait de la merde, j'ai mis de la crème partout et tout, j'ai tout niqué son matériel. J'ai trop la haine, au moins j'ai une crêpe qui m'a fait pour me consoler. Je compte sur vous pour être présent sur ma prochaine OP parce que j'ai plus d'argent. Non, je rigole évidemment. En tout cas, les gars, venez chez Rudy, c'est le boss. Hein. C'est vraiment les meilleures crêpes. Regardez. Regardez le Nutella, comment il est fondant. Attendez. Regardez-moi ça. Oh là là. C'est une dinguerie, les gars. Venez chez Rudy, c'est le boss. Hein. J'en ai mis partout sur mes doigts. Ma crêpe. Bon voilà les refs, on a fini, bilan, je suis nul, je sais pas faire de crêpes, je réessayerai plus jamais de ma vie, ça m'a saoulé. Et les crêpes de Rudy sont très bonnes, donc voilà. Pour ceux qui veulent manger des bonnes crêpes, c'est chez Rudy Rudeau, et c'est là que ça se passe. Voilà.
Bon les gars, aujourd'hui c'est mon dernier jour au ski. J'ai vraiment la haine. On est le 16, on est mercredi 16. Regardez, il neige de fou. Il neige de fou, du coup je peux pas aller skier. Donc je vais faire des petits tournages TikTok, petits tournages, voilà. On va charbonner un peu pour vous. J'ai pas pu vous filmer énormément de séquences parce que vous connaissez, tu vois, j'étais avec ma famille, j'allais skier, on allait au resto et tout, tu vois, j'allais pas prendre ma caméra à chaque fois. Je profitais de mes vacances aussi parce que je reprends les cours, tu vois, enfin, j'ai profité un petit peu. Bah voilà les gars, je suis rentré hier soir, tout s'est bien passé, la route s'est passée à merveille, c'était un peu long vu que je vais en voiture, mais voilà. En tout cas les gars, c'était la fin du vlog, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres idées de vlog ou de vidéos que je pourrais faire. En tout cas, moi j'en ai quelques-unes dans ma tête et il y a du très lourd qui arrive. Du coup, abonnez-vous, mettez la cloche, mettez un petit pouce bleu pour ne rien rater. Prochaine vidéo du coup, normalement samedi prochain à 14h, j'ai décidé que ce serait mon heure, samedi 14h. Et voilà les gars, merci d'avoir suivi la vidéo, abonnez-vous, tchuss.